Coucou tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Cities XL 2012 sur Fournyville, cette petite ville qui commence mine de rien à grandir plutôt, bon pas vite mais bon, voilà, encore petite mais elle permet de subvenir aux besoins de quelques ressources comme par exemple l'agroalimentaire, le traitement des déchets, l'électricité à Learn to Play City qui a besoin de finalement de beaucoup de choses pour bien fonctionner et cette ville est là pour lui fournir. Alors, on voit qu'on gagne pas beaucoup, les citoyens s'ennuient, qu'est-ce que tu veux. Donc on va essayer d'agrandir un peu histoire de d'augmenter nos revenus. Après, ce qu'on fera, c'est que, on va beaucoup s'occuper des échanges, de la production. Enfin, on va d'abord développer, et après, on s'occupe de la... Ah, qu'est-ce qu'il me dit, là? Pourquoi il veut pas? Voilà, tu vois, quand tu veux. Et donc, j'avais dit qu'on commencerait une nouvelle ville bientôt. On le fera, mais dans la prochaine vidéo, normalement, si je dis pas de bêtises, et si je respecte mes engagements, bien sûr. On va leur mettre quelques bureaux, parce que c'est très utile, il en faut quand même un peu, mais bon, même si c'est pas une ville commerciale à proprement parler, il faut quand même qu'il y ait des bureaux, voilà, alors on zone. Pour l'instant, c'est pas super intéressant. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aussi développer l'agroalimentaire un peu plus que ce qu'il n'est déjà. Voilà. Tout en surveillant nos revenus. On va changer de ferme. On va mettre un truc pas trop grand. Parce que les fermes, faut pas faire tout trop grand. Je crois que je viens de reprendre la même ferme. Ouais, effectivement. C'est pas grave. Voilà, on essaie que ça ressemble à quelque chose. On va essayer d'obtenir un silo et puis on s'arrêtera là. Enfin, je veux dire, dans le zoning de ferme. Dans le farming. Angle trop faible pour la route. Voilà, il est content. Hein, il est chiant. Ah, voilà, on peut en mettre un. On va le mettre ici. Ça devrait augmenter légèrement nos revenus. On va vendre à Learn to Play City. Agroalimentaire. Hop, on vend. Tac. Ça va augmenter nos revenus, non? Pas de beaucoup, mais bon. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve une ressource. Pourquoi? Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula, il y a plein d'entreprises qui ont carburant. Ah oui, mince, carburant. Bah écoutez, carburant. On va en produire, hein, écoutez. Carburant, c'est où carburant? Hop, dans le menu là, qui carburant. Vu que, bon voilà, sans faire exprès, j'ai activé le mode qui fait qu'on peut avoir toutes les ressources. Bon, par contre, ça va faire un sacré trou dans le budget. Mais bon, hein, voilà, on a rien sans rien. Ça va augmenter. Bon, on est toujours à 6000. Bon, c'est assez chaud quand même. C'est short là, niveau money. On va faire de la densité d'habitants peu qualifiés. Il faut du peuple. Hein. Là, il faut du peuple. Il y a du travail. Normalement, ça devrait le faire. Hein. On est à combien? 127 000. Purée, on dirait pas. Hein. 127 000 habitants. Ça me fait penser, je ne sais pas du tout pourquoi ça me fait penser à ça, mais pour vous dire que j'ai commandé SimCity, donc normalement vous le savez, donc normalement il devrait arriver bientôt, il était censé arriver hier, mais bon, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas reçu, enfin bref, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, hein, même si je sais, j'ai vu des tonnes de vidéos sur internet. Ma foi, malgré les critiques, il m'a l'air tout de même très très bon. Très bon jeu de gestion. Enfin, SimCity, quoi. Hein, classique du genre. Ça devrait le faire complètement.
Bon, après, je peux me tromper, bien sûr, hein. Si ça se trouve, je dis complètement de la merde, il est tout pourri. Non, quand même pas. Je rigole. Hop, donc, bon, je vais attendre un peu, je vais continuer. Je vais bien continuer SteelSeries XL, puis je vous ferai du SimCity après, vu qu'il y a un multi et tout, pour voir avec qui je pourrais jouer, machin, bidule, enfin tout le tralala. Soin, soin. Donc, de nouvelles entreprises arrivent. Ouais, donc là, niveau développement, c'est plutôt hard, hein. Faut le dire, c'est assez chaud. Qu'est-ce qu'il dit lui? Pourquoi il fait faillite? Proximité du fret. Ah, les affichages ont bugué. Proximité du fret. Mais regarde, regarde, regarde. Hop. Route. Je crois que je viens de me chier là. Ouais, je viens de me chier. Hop là, c'était pas une route comme ça que je voulais. C'était route like that, pas une petite route. Voilà, alors là, est-ce qu'il va faire la proximité du fret. On les avait prévenus, il ne faut pas énerver la femme de ménage. D'accord. Bon, il retrouve du boulot. Bon, la proximité du fret, c'est vrai que il pourrait y avoir mieux. Bah écoutez, ce que je vais. Ah bah voilà, j'ai une idée. Regardez. Regardez ce qu'on va faire. Pas une autoroute, non. Non, non. Pas encore l'autoroute. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Route courbe. On va faire une sortie ici. Voilà, ici. On va la faire arriver. Disons. Là, en plein milieu, là. Bah, voilà, là, c'est parfait. Ça fait pas tout bugger, non? Ok. Et là. C'est où les routes de terre? On va faire une route de terre. Une grosse route de terre. Alors là, normalement. Voilà, ça s'est amélioré. On gagne 15 000. Ça pourrait être mieux. On va voir un peu dans les échanges si on peut améliorer la situation. Agroalimentaire, on vend. Manufacture, on vend. Bureau, on n'a pas assez. Industrie lourde, on va vendre. Carburant. On va vendre un peu à Omicorp. Travailleur. On va te vendre le surplus de travailleurs. On va retourner. Attendez, là, faut que je vende le traitement des déchets. Normalement, là. Voilà! J'ai considérablement augmenté les revenus. Ah, les citoyens s'ennuient. Loisirs! Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre en loisirs? Alors, bowling. Faut voir déjà où ils sont les. Pourquoi ils m'affichent pas le. Attendez, je crois qu'il y a un. Il y a un léger bug. On va regarder. Alors. Non, ça on s'en fout, c'est pas là. Satisfaction, c'est où loisir. Alors, c'est plutôt de ce côté-là qui sont pas très contents. Ouais. Non, service technique, non, ça n'a rien à voir avec la sauvegarde qui fait bugger le tout. Oh là là, c'est vraiment pas très fluide, hein, je m'excuse. Mais je ne peux pas faire autrement. On va leur mettre une piscine avec un loisir culturel, un petit musée. On va voir si ça fait de l'effet. Normalement au prochain tour. Enfin au prochain. Ouais, au prochain tour. Bon, c'est pas flagrant, flagrant, mais c'est un début. On va mettre un petit cinoche. Bah, en plein milieu, écoutez, regardez. Là, vu qu'on va détruire les bâtiments complètement inutiles qui sont complètement buggés. Voilà. Et on va mettre des choses utiles à la place, comme un cinéma. Voilà. Et un terrain de sport aussi, pourquoi pas. Un terrain. Petit terrain de sport. Oh, ça c'est con. Ah, bah là, voilà, ça. Bon, ça a baissé mes revenus, mais c'est pas grave. Ah oui, l'eau. Ah mince, faut cliquer ici pour fermer. Bon, alors, on va faire venir de la grosse densité maintenant. Fini de jouer. Travailleurs qualifiés.
On va développer un peu par ici. Bon, là, c'était une zone pas très forte densité, hein. Et là, ça va être de la haute densité. Là, j'ai décidé de... Voilà, hein. Et on a atteint le million, les amis. Le million. Le million. Le million. Le million. Sans patate. Bref. Désolé. Ce que je voulais faire... Ouais, je voulais faire... Je voulais border le rivage. Enfin, border le rivage. On va essayer avec cette route. Ah non, attendez. Attendez, je regarde. Non, avec celle-là, voilà. On va utiliser la route d'un mode. Alors là, par contre, ça va être du... Attendez, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Voilà, vous voyez, vous comprenez à peu près ce que je veux faire. Comme ça, on pourra faire des petits ponts jolis. On va faire un beau rivage. Si je peux, s'il y a de l'attrait touristique, je pense pas, mais... pourquoi pas faire des petits hôtels, une petite zone balnéaire là-bas, ouais, ça pourrait le faire, ouais. Effectivement. Je compte aussi faire une ville dans les montagnes, ça pourrait être sympa, une belle station de ski, une belle plage aussi, un truc genre... un truc avec les cocotiers, machin, bidule et tout le... Tout le... Oula. Voilà, bon. Bon, on fait jusqu'au bout. Autant faire les choses. Hein. Ah, par contre, là. Oula, excusez-moi, là je parle pas trop. Attendez, je regarde ce que ça fait. Attendez. Essayez de faire un truc un minimum joli. Voilà, ça c'est joli ça. Ça, voilà. Bon, voilà, déjà la route est posée. Regardez, ça fait un joli... ça bug bien. Ça fait un joli littoral, disais-je. Ah, on va mettre un rond-point, tenez, aussi, pour le fun. Et en parlant de rond-point aussi, je compte faire, pourquoi pas, que... Allez, ici, hop. On va embellir un peu la ville. On va se marrer un peu. Mince, attendez. Non, non, attendez, j'ai mis le mauvais, je voulais mettre une avenue. Pourquoi pas faire une ville en rond aussi, il y a une technique dans SimCity. Bon, on peut pas faire des ronds comme dans SimCity, mais il y a une technique. On fera une ville circulaire aussi. Et on a perdu pas mal d'argent. Bon, on essaie d'engranger un peu. On a combien? Bon, ça, on a le temps. Largement, hop, je reprends la route tout de suite. Le rond-point, je voulais... alors, est-ce que c'est lui? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, attention. Pouf, au hasard, voilà. Et on va mettre... bon, on va mettre... Non, par contre, à l'intérieur, on va mettre celle-là. Mais alors, est-ce qu'on... Non, on peut pas choisir. On les mettra en piste cyclable juste après, bien sûr. Voilà. Alors, je fais n'importe quoi, hein. Je les mets... Non, ici, ça fait trop chelou. Là, voilà. Le rond-point qui fait tout. Le rond-point très utile. Le rond-point très utile qui va s'arrêter là, avec un embranchement qui lui va s'arrêter là. Bon, c'est très arbre, hein, ce que j'ai fait. Vous posez pas de questions. C'est assez chelou. Voilà, on essaie de faire des embranchements un peu partout. Voilà, ben voilà, ça prend forme. Bon, ben, par contre, je gagne plus que 15 000 là, ça va plus là. Alors, est-ce que notre zone industrielle fonctionne et tourne à plein régime? Alors, apparemment, oui. Bon, et on va augmenter le... Ah, on va peut-être la spécialiser dans le bureau aussi. Bureau, ça me semble, voilà, une bonne ressource quoi. C'est, on peut se
Voilà. On peut se reposer un peu sur le la ressource bureau. Je sais pas comment on dit. Duraliste, ça c'est pour les tabacs, bien sûr. Ce qui n'a totalement aucun rapport. Voilà. On rajoute du bureau. Mais ce qu'on va faire avant tout aussi. Non, là en fait, ce que je suis con, c'est que là je n'apporte aucun développement. Il faut le développement avant tout, les amis. Il faut ramener le peuple. Il faut d'abord ramener la population. Alors, là on va faire urbanisation à gogo comme dans l'autre épisode. Sauf que là, on va faire vraiment les choses en grand. Hein. Là, c'est là pendant 5 minutes, on fait que du zoning. Parce que c'est important. Là, il nous faut plus d'habitants vu que j'ai pas mis que de la grosse densité. Et ça devrait le faire. Et comme ça, on pourra passer à une prochaine ville plus tard. Et si je peux, là, je vais essayer de mettre plus de traitement des déchets. Puisque c'est vraiment ça qui fait défaut à notre ville. Et puis, je créerai une autre ville aussi qui fera traitement des déchets. Hop. Voilà. Alors, ici, on va mettre du peu qualifié densité 2 parce que je trouve que ils ont une sorte en charme les bâtiments des travailleurs peu qualifiés en densité 2. Ouais, franchement ça peut aller. Tac. Ah oui, il y a un truc aussi, je suis dégoûté. Apparemment sur Steam, on peut changer sa version CitiesXL 2012 en CitiesXL Platinum pour 5€. Pour ceux qui ont les versions Steam. Voilà. Donc, je me fais juste... enculer. Enfin, pardon, excusez-moi du terme. Mais c'est un petit peu vrai, quand même. J'ai pas la version Steam, bah je me fais... voilà. Va te faire voir. Tu as dans le cul. T'avais qu'à acheter sur Steam. Je suis dégoûté. Alors que j'ai le jeu, quoi. Enfin, voilà. C'est ça qui m'énerve un peu... Les citoyens s'ennuient, voilà, dans ce jeu aussi, alors les citoyens, ils sont jamais heureux. On va faire un petit tour, voilà, on va voir service public. Bâtiments municipaux. Hop, service de santé. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors là, on va s'occuper un peu de notre population, parce que service de santé, là ça va pas là. 2000, hop, une clinique. Ou alors on fait un... On va faire ça, un centre médical. Un centre médical qu'on va mettre... Pourquoi il veut? Alors, un centre médical. Ici, on va mettre une clinique. Petite clinique. Jolie clinique. Qui, évidemment, ne veut pas se poser là. Bon, écoute. Non, on veut pas non plus. Non. Pourquoi je veux pas? La clinique qui va se poser ici. Voilà. Éducation maintenant avec la sauvegarde qui va bien. Éducation. Bon là 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 là. Bon là 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 là. Ouh là là là. Il n'y a pas d'éducation. Éducation, ça va pas. Il nous faut un collège, les amis. Un joli collège qu'on va mettre là. Avec une. Pourquoi il veut pas me placer? Voilà. Avec une école comme il faut. L'école primaire que l'on va faire ici. Voilà. C'est important d'avoir des gens éduqués dans sa ville. La sécurité. Ouh là là, ici il y a du crime. Il y a du crime. Par contre, voilà, ça, mes revenus ont pris un coup. Bon, on va faire un commissariat de quartier. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Bon, on va voir. Ah oui, on va faire des parcs. Tiens, parcs. C'est important, les parcs. On va en mettre un petit peu partout. Tenez, on va en mettre. Pour qu'il soit content. Voilà, un parc ici. Parc ici. Un parc là. Ça vaut la pollution. Un parc ici. Ça vaut très cher, les parcs. Et un parc là. Et on a plus que 4000. Je me suis fait enfler. On va rajouter du magasin. Juste ce qu'il faut en densité 2. Tiens, allez hop, on est des ouf.
petite zone commerciale. Juste ce qu'il faut, hein. Pas trop. On gagne plus que 2000. Bon, zoning, hein. Zoning, zoning, les amis. Je perds pas de temps. Parce que là, on gagne plus que 3000, hein. On va essayer d'attirer des managers dans notre ville, ce serait cool. Et mine de rien, on atteint les 200 000 habitants. Ce qui est plutôt une très très bonne chose. Oh, les managers, on va les foutre ici, là. Ouais, les managers, ils vont être bien, là. Densité 3, bien sûr. Ou non, densité 2. Ou densité 1. Je vois bien densité 1 ici, là. Voilà, on va en faire un peu de densité 1 là pour commencer. On fera des gratte-ciel ici avec des bureaux et des élites. Voilà. Les citoyens ont peur du feu. Ah ouais, bon, effectivement, le seul service public que j'ai pas mis. Enfin, que j'ai pas mis assez, on va dire. Ah merde, je perds de l'argent. Ah, mince, 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 mince. Mince, 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 mince. On va vendre des travailleurs, les amis. On va vendre de l'agroalimentaire. Voilà, on va... Bah voilà, 37 000. Par contre, j'ai pas vu. Avec Learn to Play City. Électricité. Ah, faut que je produise plus d'électricité. On va lui vendre plus de traitement des déchets. Les amis, faut que je produise plus d'électricité. Bah tiens. Avant ça, on va faire les services publics. Service de pompiers, parce qu'il me demandait les services de pompiers. Alors. Oups, je me suis trompé. Oulala ! Ah oui. Ah oui, ah oui. Oula, oula, oula. Ça fait bien ramer le jeu. On va en mettre un autre. Ici. Voilà, c'est déjà mieux. J'ai dit que je faisais quoi juste après ? Pardon pour ce bruit ignoble. Donc on va améliorer notre mairie. On va mettre ça, écoutez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si, c'est bon, c'est ça. Si, c'est bon, manager. On a une très belle mairie. Ça rame comme c'est pas possible. On va bientôt faire un... Oula, putain, j'ai déjà perdu pas mal d'argent. On va déjà faire... Pourquoi ils partent? Ah, attendez, on va leur faire des magasins parce que sinon ils vont gueuler. On va leur mettre un peu de tout à proximité. Oh. Voilà, des magasins. Déjà, ils seront satisfaits. Ah oui, les bureaux aussi. Fallait que je mette des bureaux. Bureau, 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 bureau. Bureau, c'est où, bureau? On va mettre... Alors, bureau... Normalement, je crois... Non. Ah, si, ils prennent des élites. Shit. Écoutez, bureau, ouais, on va prendre des bureaux densité 2, ça devrait le faire. Alors, est-ce que ça, pour l'emploi, ça devrait les attirer, non? Mais voyez, notre rond-point est déjà bien... Ça rame. Je ne comprends pas ce jeu. Ok, il y a une remorque perdue au milieu de la route. Bon, c'est pas grave. Par contre, on ne le voit même... aucune voiture. Ils ont fait des ronds-points, mais les voitures, on ne les voit pas prendre le rond-point. Ça, je trouve ça complètement débile, mais c'est pas grave. Allez, développez-vous. Satisfaction à la santé. Bon, écoutez, on va leur faire quelques des petits services publics. Juste le minimum. Voilà, on va leur mettre un petit
Centre médical. Hop. École primaire. Juste de quoi, voilà. Sécurité. Petit commissariat de quartier. Mets tout à côté, hein. Voilà, comme ça, ils arrêteront. Ils pourront venir s'installer. Voilà. Bon, ils m'ont bien pompé mon fric. Bah, tenez. Ah non, on peut pas. Ah, on peut pas les améliorer, celle-là. Ah, on peut pas mettre des pistes cyclables. Bon, bah, c'est dommage. Alors là, normalement, s'ils viennent pas. Ah oui, les loisirs. Ah, ça, les loisirs. J'avais oublié ça. Loisirs. Parce que ces monsieur sont tellement difficiles à satisfaire. Écoute, on va mettre une piscine. Ouais, on est au bord de la mer, hein, c'est débile. Mais on met une piscine quand même. On va mettre un bowling. Voilà. Non, vous avez pas de quoi ne pas venir. Éducation. Mais je vous ai installé des bureaux ici. Qu'est-ce que tu... Ah oui, merde! Ah, j'ai pas d'industrie high-tech. Ah oui, ça c'est un problème. Bah écoutez, on va mettre de l'high-tech. On va se mettre dans l'high-tech aussi. Bon, on est un peu obligé, hein. Mais on va pas spécialiser là-dedans. Alors que notre Learn to Play sera spécialisé dans le bureau et. Ouais, et l'high-tech. C'est n'importe quoi ce. Voilà, j'ai mis un peu d'industrie high-tech. Par contre, elles sont très sensibles au niveau cadre de vie, je crois. Enfin, qualité du de l'environnement. Écoutez, on va en mettre. On est déjà à 27 minutes, bon, on va pas tarder à se laisser. Ah oui, j'avais dit que. Ouais, on va attendre un petit peu et je vais augmenter un petit peu la production. Je vais rajouter quelques zones de. Traitement des déchets. Ici, ça se porte bien. Bon, on aura bien avancé. Là, on leur a fait grossir notre. Ouais, on aura ramené du people. Bah écoutez, attendez. On va continuer d'ailleurs. L'industrie high-tech se développe. On va développer dans ce quartier-là. On a 1 million, bon, on a moins d'argent que dans l'autre ville, hein, bien sûr. Mais bon, va falloir que je rajoute des lycées, Ah, j'ai plein de choses à faire. Vous voyez que c'est assez compliqué. Mais bon, on commencera une nouvelle ville quand même avec un autre style d'architecture qu'on fera soit circulaire donc et un peu américain avec une autoroute et tout un tralala. Enfin, voilà. Donc. Je m'excuse vraiment si le jeu hein, tourne au ralenti, mais bon, je ne fais pas exprès. Le jeu est super mal optimisé. Alors, voyez là, je ne sais pas si... Ah oui, c'était une sauvegarde à la con, j'en étais sûr. Surtout quand on zone en fait. Voilà, on ramène du people. Alors, est-ce que eux ils sont. Ah là là. Je m'excuse vraiment. Là, en plus, ça rame plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Ah oui, notre zone de manager se développe, ouais. Ouais, regardez, ils ont des belles maisons. Ouais, ils ont tout intérêt à venir. Et on commence à gagner un peu plus d'argent. Je comprends vraiment pas pourquoi ça lag à ce point-là. Bon bref, c'est pas grave. Alors, high-tech. Un petit peu high-tech, voyons voir ce qu'on a. Nombre de managers, il y en a pas assez. Proximité de fret. Ouais, ça aussi, ça va être un problème. Ouais, je les ai mis un peu loin d'une zone de fret. On fera... C'est dommage qu'il n'y ait pas de train. Ouais, c'est vraiment dommage. Transport. On va voir si on peut pas essayer de faire une route qui amène directement ouais, par les montagnes. Faudrait faire une autoroute aussi. On va essayer de se lancer dans l'autoroute aérienne. Ah, ça pourrait le faire. Ici, ouais, une autoroute qui passe en...
Ouais, je la verrais bien passer comme ça. Et aller là-bas. En passant par là, ouais. Ici, je vois bien un petit million d'habitants. Hein. Un petit, j'aime. J'aime bien dire un petit million d'habitants. Faut développer la nature. Alors, écoutez, on va faire de la densité de cette fois. On va rajouter des managers et on va se quitter. Pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oula, qu'est-ce que ça me fait là? Qu'est-ce que ça me fait? J'ai fait un truc un peu dégueu, c'est pas grave. Bon, on gagne pas mal. Bon, et ben voilà! On aura bien avancé. Oula, purée, je déteste quand ça lag. Il faut du manager, ouais. Ok, bon, allez les amis, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime. Si vous voulez voir la suite de ce let's play, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Yo!